Merci, Monsieur Outaleb. La parole est à Monsieur Mohamed Lalaoui, doyen de la faculté des sciences de l'Université Qadiaïa. Salam alaikum. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général du ministère d'enseignement supérieur, Monsieur le Directeur d'enseignement supérieur, Monsieur le Directeur de l'Académie, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de présenter le travail qui a été fait au sein de la Faculté des sciences Simladia sur la préparation du système Bachelor. Donc, j'ai intitulé mon intervention « La FSSM choisit le système Bachelor pour la rentrée 2021-2022 » dans ce sens que la faculté donc, a choisi donc, de généraliser ce système pour la rentrée prochaine, en espérant bien sûr l'accréditation de la CNACES ou la NIAC. Voilà, je commence par la démarche suivie, donc à partir du mois d'octobre 2019, au sein de nos départements, à travers le comité de direction et des assemblées générales des départements, il a été étudié, le CNPN, l'ensemble de l'établissement a fait ses remarques, bien sûr, qui ont été synthétisé par la commission pédagogique et transmis à la présidence, bien sûr, pour être étudié au niveau des assises sur le bachelor. Après, bon, il y a eu la pandémie, puis à partir du février 2021, donc nous avons fait un appel à proposition des filières, c'est-à-dire le S5 et suite, sachant que de S1 jusqu'à S4, bon, c'était au niveau national. Donc, il y avait une réflexion et faisabilité du tronc commun, hein, puis des assemblées générales, encore des départements qui ont tous constitué des équipes pédagogiques qui ont fait des propositions de bachelor. Donc, l'ensemble de ce travail a été adopté, et bien sûr, enfin discuté, puis adopté au conseil de faculté qui s'est tenu le 18 mai 2021. Bien sûr, qui a pris la décision de la généralisation et qui est bien sûr adopté l'ensemble des filières que je vais présenter ici. Alors, la première chose, c'est que toutes ces filières respectent l'architecture qui a été proposée par le ministère, qui est bien sûr un tronc commun, puis des parcours, puis après des filières de spécialisation que je vais présenter ici. Donc, au département de géologie, nous avons une filière qui est la géologie appliquée avec 4 options dont le schéma est le suivant. Donc, il y a bien sûr, il se base sur les parcours géologie informatique, géologie chimie physique et sciences de l'environnement. Puis après, nous avons 3 options qui sont les bassins sédimentaires et géoressources minérales, géosciences urbaines et aménagement du territoire, sciences de l'eau et de l'environnement. Après, pour le département de chimie, on a la proposition d'une filière, sachant que, je vais dire juste une précision ici, c'est que l'ensemble des filières, bien sûr, ils ont toutes un tronc commun. Donc, du moment que le tronc commun est ouvert, donc si on propose des filières de spécialisation l'année prochaine, donc l'ensemble des étudiants vont pouvoir, bien sûr, choisir d'autres filières à partir du semestre 4. Voilà, donc pour le département de chimie, pour le moment, donc nous avons une filière chimie des matériaux et qui est basée sur le parcours physique-chimie en S3, S4. Et bien sûr, il respecte complètement donc l'architecture générale du système bachelor. Pour le département de biologie, la même chose. Donc, on a une filière biologie appliquée à l'environnement qui se base sur le parcours sciences de l'environnement. Pour le département des mathématiques, nous avons une filière sciences mathématiques et applications avec 4 options que je présente ici. Donc, il est basé sur le parcours mathématiques et applications avec 3 options qui sont algèbre et théorie des graphes, analyse numérique et optimisation, équation différentielle et une option probabilité et statistique. Pour le département d'informatique, nous avons 3 filières
qui sont l'ingénierie des systèmes d'information, networking et cybersécurité, puis l'intelligence artificielle et sciences des données. Là, on a trois filières qui se basent toutes sur le parcours maths informatique du tronc commun et qui sont donc, comme je viens de dire ici, ingénieurs des systèmes d'information, networking et intelligence artificielle et sciences des données. Donc, dans l'ensemble de ces filières, comme par exemple pour la géologie ou les maths, il y a quand même, même au semestre 5 et 6, il y a beaucoup de modules communs. Voilà, donc je vais finir par le département de physique. Alors là, nous avons trois filières qui sont les sciences et technologies appliquées avec trois options. Une filière optique et optométrie qui va être un petit peu limitée au niveau de l'accès. Et sciences physiques et applications avec trois options. Là, toutes ces filières, donc, ils se basent sur le parcours physique, chimie, informatique. Et donc, les options pour la filière sciences et technologies appliquées, donc, nous avons efficacité énergétique et énergie renouvelable, maintenance des installations, exploitation des usines et réseaux d'eau, puis technologie et coordination dans le bâtiment et les travaux publics. Il y a la filière optique et optométrie, donc il n'y a pas d'option. Puis la filière sciences physiques et applications, donc là nous avons trois parcours ou bien trois options qui sont l'énergétique, la physique de la matière et la physique moderne et astrophysique. Voilà, donc merci de votre attention.